Après l'adoption courant octobre d'un accord politique par la majorité présidentielle et une frange de l'opposition, le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a déposé sa démission ce lundi 14 novembre 2016. L'accord prévoit la constitution rapide d'un nouveau gouvernement dont le poste de Premier ministre devrait revenir à une personnalité de l'opposition. Il suscite de nombreuses interrogations, notamment sa légitimité du fait du rejet des résolutions du dialogue politique par une frange de l'opposition. Nous devons retenir que Matata part aujourd'hui après 4 ans de gestion du gouvernement de la République. Il a déposé sa démission. Il est clair que la période intérimaire après le 19 décembre, que pendant cette période-là, que la primature soit confiée à l'opposition signataire de l'accord politique. Le président va s'adresser aux deux chambres et réunir en congrès. Maintenant, on attend, mais le Premier ministre qui viendra aura le défi, contrairement à Matata, il aura le défi d'organiser les élections parce que c'est ça le principal problème qui cause la crise politique en République démocratique du Congo. L'accord conclu en octobre autorise également à 2018 le report du scrutin présidentiel prévu initialement avant fin 2016. Un sujet qui divise toujours la classe politique congolaise car pour une frange de l'opposition dirigée par l'ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi, le départ du président Joseph Kabila à la fin de son second mandat est non négociable. Le mandat actuel du chef de l'État s'achève le 19 décembre 2016. De la Constitution sont claires et chacun a pris un engagement d'honorer, de respecter intégralement la Constitution à la fin du mandat. S'il n'y a pas un nouveau président élu, le président Kabila continue jusqu'à ce qu'on désigne un nouveau président élu. Mais je crois qu'il faut éviter une trop grande personnalisation du débat politique autour du président Kabila, parce qu'on ne s'est pas réunis à la Cité de l'Union africaine pour débattre du sort du président Kabila. Selon le gouvernement congolais, l'accord politique reste toujours ouvert aux autres acteurs qui refusent encore de le signer. Depuis janvier 2015, l'opposition et les mouvements citoyens congolais ont multiplié les manifestations pour exiger le départ du président Kabila. La République démocratique du Congo traverse une crise politique profonde depuis la réélection du président en 2011 au terme d'un scrutin contesté. La crise a été aggravée du fait de la non-convocation du corps électoral dans le délai constitutionnel pour l'élection présidentielle. Aujourd'hui, certains espèrent que la nomination d'un Premier ministre issu des rangs de l'opposition soit un début de solution à la crise que traverse le pays.